Passée par Sciences Po et le Conservatoire, Pauline Bell est une représentante de la nouvelle création française. Elle met en scène au Théâtre de la Bastille deux textes d'Homère, le diptyque Iliade-Odyssée. Alors voyons comment cette comédienne de 31 ans a pu monter le retour d'Ulysse, le parcours d'une jeune artiste émergente, avec Marion Banchet. Bonjour, je m'appelle Pauline Bell, j'ai 31 ans, je suis comédienne et metteuse en scène. Je mets en scène deux pièces qui se jouent au Théâtre de la Bastille à Paris, deux adaptations de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Emporté par la fureur, il se déchaîne. Iphitium, son crâne éclate en deux morceaux. J'ai fait Sciences Po pendant 5 ans, juste après mon bac. En même temps que Sciences Po, je faisais beaucoup de théâtre. Enfin, je fais du théâtre depuis que je suis toute petite. Et après, je fais le conservatoire à Paris pendant 3 ans. Et depuis, j'ai travaillé comme comédienne et puis comme metteuse en scène. Ma signature, ce serait, à mon avis, les purs. J'essaie de travailler à ce que ne garder que les choses qui sont absolument nécessaires pour que au plateau on assiste à quelque chose de très concentré et de très dense et qu'on se dise que tout ce qu'on voit est pleinement incarné et engagé et qu'il n'y a pas de choses qui ne servent à rien. Trois fois, Hector court autour de la ville et Achille derrière lui. Trois fois, il passe à côté des deux fontaines où autrefois, moi et les autres Troyennes, nous lavions les beaux habits. Pour la quatrième fois, il s'approche des lavoirs, mais cette fois-ci, Hector s'arrête. Achille, plus rapide! Je ne fuirai plus devant toi. Mon cœur me l'ordonne, je te tiens en tête. Je sens que je suis encore que au début d'un chemin qui peut être long. Et donc, du coup, je rêve d'avoir, de continuer, d'avoir les moyens de travailler pour avoir des aventures, de nouvelles aventures avec de nouveaux textes qui me semblent absolument nécessaires à raconter sur un plateau de théâtre.